C'est déjà la 8e année que j'ai le privilège et le grand honneur de remettre chaque fois le Grand Prix des Lettres, des Arts Sciences Lettres, à nos lauréats. Je ne m'étendrai pas plus longtemps sur les commentaires. Vous avez pu les lire dans le palmarès. Ce sont les commentaires. C'est un résumé des commentaires des jurés. Leurs constatations et leurs conseils étant pratiquement les mêmes chaque année, je n'y reviendrai pas. Par contre, je voudrais faire une petite mise au point. Il s'agit d'un concours. Dans certaines sections, nous avons plus de 40 textes. Or, un concours suppose un élu et beaucoup de déçus. Parmi ceux-ci, je souhaiterais que ces déçus, dont je peux comprendre la déception, puisqu'ils ont mis le meilleur d'eux-mêmes dans ce texte, qui est peut-être à quelques dixièmes de points le même que celui qui a été retenu, je peux comprendre leur déception, mais par contre, je n'accepterai jamais que l'on soupçonne la loyauté des délégués, des jurés. Les jurés travaillent en leur âme et conscience, et les notes qu'ils attribuent sont celles qu'ils estiment valables. Nous procédons d'une façon très simple. Et vous allez voir qu'il n'y a aucun favoritisme possible. J'envoie à chacun des 5 jurés de chaque section la liste complète des textes dans l'ordre où ceux-ci me parviennent. Cette liste est précédée d'une colonne dans laquelle figurent simplement les 3 chiffres et les 3 lettres de l'inscription anonyme qui a été choisie par l'auteur. En conséquence, les jurés ignorent totalement le nom de la personne dont ils lisent le texte. Lorsqu'ils ont fini leur correction, ils m'envoient les notes qu'ils ont jugées bonnes d'attribuer aux 10 meilleurs. Je récolte ces notes. Je les additionne, et c'est toujours sur l'anonymat, la note la plus élevée, qui détermine le lauréat du prix. C'est alors seulement, alors que ce classement est devenu totalement irréversible, c'est alors seulement que l'on va confronter l'inscription anonyme avec la liste des participants, et c'est alors seulement que l'on va découvrir le nom du lauréat. Vous voyez donc qu'il n'y a aucune possibilité de favoritisme ou de défavoritisme. C'est pourquoi je tiens à redire que je peux comprendre, et l'on peut comprendre, la déception d'un candidat lorsque celui-ci ne voit pas son nom sur le palmarès, mais ça n'est pas une raison pour qu'il mette en doute la loyauté des jurés qui, dans un temps record, font un travail considérable avec toutes leurs compétences, tout leur sérieux et surtout toute leur impartialité. Voilà ce que je tenais à dire et à redire. Je vais donc procéder, comme chaque année, à la remise des prix. Je remercie également le jury pour nous avoir décerné ces prix d'honneur. Je veux lire un sonnet également. Et pourtant, aurais-tu, mon très cher, tendance à t'émouvoir ? La nature est si calme où repose l'automne. Chaque pluie vert se niche et seul le vent chantonne parmi les pins creusés en guise d'abreuvoir. Ce charme naturel détient-il le pouvoir d'étouffer, tendre cœur, ta plainte monotone, t'imaginant soudain qu'un rire en joue étonne, tel un éclair furtif, juste avant de pleuvoir.
secrètement, dis-moi, cette beauté terrestre dont la faune renaît sur sa flore sylvestre apaise ton séjour, somme toute, à demi. Oui, ma voix, j'ai connu mille plaisirs intenses, maintes distractions vécues sans existence. Néanmoins, face au sort, il me manque un ami. Enfin, nous arrivons